est important, c'est que les collectivités que nous sommes, notamment la commune de Neuf-Maisons, qui est commune chef-lieu de Moselle et Vadôme, se doivent aujourd'hui de soutenir le commerce local, le centre-ville, mais aussi les autres commerçants. Le fait que vous ayez envie de vous trouver ensemble au cours d'un week-end, au cours d'une journée comme celle-ci, montre tout le dynamisme du commerce et de l'artisanat néo-donien. Allez, on poursuit. On peut très bien tenir toutes les mains par le totalisme qui sont là. L'objectif, évidemment, on essaye toujours de soutenir l'économie, hein, ça c'est le premier objectif, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'heure est assez grave, et aussi pour créer du lien social, et aussi surtout pour faire découvrir qu'ici il y a des commerçants, il y a des artisans, les faire découvrir à la population, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas, ah tiens, il y a ça là, ah tiens, et donc ça c'est aussi le premier but, et faire surtout découvrir aux jeunes les différents métiers sur le terroir. Donc il y a différents artisans, différents métiers. Vous avez vu qu'il y avait Optissimo, les lunettes. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle étude on fait? Comment? Et donc les jeunes posent des questions et ça c'est intéressant aussi. Le but de l'association c'est de réunir... De réunir l'ensemble des commerçants et de promouvoir l'artisanat au sein de la ville, au sein de toutes ces personnes qui sont de Neuf-Maisons.